Ivreux, on évoque les chances de Divine Girl qui a pris une cinquième place dernièrement. Qu'en avez-vous pensé? Bah écoutez, d'abord, c'est une jument qui n'a pas fait la carrière qu'elle aurait dû. Elle a eu des soucis à répétition et la dernière fois, elle m'a vraiment rassuré. C'est ce qui m'a décidé de recourir aujourd'hui, parce que c'est un lot que de femelles. Et si elle répète la valeur de la semaine dernière, elle peut très bien arriver dans les cinq premiers. Mais ça fait un an, voire même un peu plus, qu'elle vivote en prenant des petites allocations. Ben c'est vrai, elle a des hauts et des bas. La dernière fois, c'était même très très bien. Je pense qu'elle aurait pu être troisième en étant un peu plus offensif. Donc on vit un peu au jour le jour avec elle. Là, depuis, elle est restée bien. Elle a travaillé ce matin très bien. Donc voilà, la condition m'incite à la courir. C'est que des femelles, pas de recul. Donc voilà. Donc le pas la mettre, c'est prendre un risque. C'est vraiment au niveau qualité. Je pense même qu'elle est au-dessus d'un lot comme ça. Maintenant, c'est pas la Divine Girl qu'on a connue. Donc faut voir si ses ennuis vont pas la rattraper. Mais pour vendredi, on est obligé de lui préférer Eva. Oui, Eva, elle est, on va dire, un peu plus sûre. Elle vient aussi de nous rassurer en étant quatrième. Le seul problème d'Eva, c'est que c'est pas trop une démarreuse, donc je me trouve un petit peu loin. C'est ça qui m'embête un peu.